Et plop, les gens, on vient de perdre en live contre dans la forteresse d'acier pour la deuxième fois. Du coup, on va rediriger nos efforts sur la horde d'infectés au nord. 2200 infectés, ça semble tellement peu. Et surtout, c'est une difficulté 3 avec derrière une mission de héros de difficulté 3 encore. Alors que la forteresse d'acier est une difficulté 4. Ce qui veut dire que ici on va gagner des stats à donner à notre héros qui nous serviront sûrement pour en tout. Donc on va te faire la horde d'infectés. Il y a une horde de 2200 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie, vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'Empire. C'est parti. Oula, oula, oula. Alors. Ah oui, du coup, on a le poste avancé. Directement. Oh, les pieux, ils sont ici aussi. Effectivement, les guêpes en ce mode de jeu peuvent être très utiles, je pense. Alors, 2200, sachant que c'est tous des infectés frais de même type, donc il n'y a pas spécialement besoin de sniper pour sniper des harpies ou des gros lourds. Je pense que du coup on va pas prendre de sniper là comme ça. Ça fait longtemps, hein, très longtemps que j'ai pas fait une horde. Par contre, elle a l'air bien. Hein. Ici, il y a de quoi. Il y a de quoi bloquer par là. Et tant pis là-haut, les deux vont se rejoindre ici. Pareil ici, on peut bloquer là. Ici, c'est quand même large. On peut avoir une deuxième ligne de défense ici avec une première là et là, par exemple. Et ici, ben voilà. Oui. Je vais juste allumer la lumière 2 secondes. Le temps de réfléchir à comment agencer les défenses. On a combien? On a 5500, donc ça fait quand même une petite quantité. Alors, en fait, à quel point, en train de me dire que c'est quand même 40 une guêpe, donc à quel point la guêpe est plus intéressante qu'un seul tueur. Mais de ce que j'ai vu, si elle est pas dans les parties précédentes, si la guêpe n'est pas sur le chemin de la horde, elle va pas forcément se faire attaquer. Enfin, elle va attirer un peu les ennemis, mais elle va pas se faire focus. C'est ce qui est noté. Mais alors que les soldats, l'armée, eux, ils attirent vraiment les zombies, quoi. Genre, s'il y a une masse de zombies qui est en train d'arriver là et qu'il y a une guêpe ici, la guêpe, elle va détruire le bord de la masse sans que les zombies ne répliquent. Voilà. Mais je pense qu'il faut quand même 4, 5, 6, 7, 8, ouais, par là. Ça fait beaucoup et à la fois pas trop. Ici, ce serait combien? 1, 2, 4, 5, 6, 7, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est pas mal ici. Quelque chose comme ça. Ici.
suis un peu obligé parce que si j'attends, eux ils vont se replier bizarrement après. C'est ici que ça va être un peu la mouise. Alors ici, 1, tac, tac, 1, 2, 3, 4, ou alors 4 ici, là. Peut-être là, ça me paraît bien aussi. Hein. Parce que comme ça, l'armée sera proche pour aider d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, je me dis qu'ici, justement, on en parlait. Les zombies, même s'ils viennent de là, ils vont faire ça. S'ils viennent de là-haut, ils vont faire ça. Et du coup, une guêpe. Ah. Une guêpe par là. Je pense qu'elle sera pas trop attaquée. Et c'est tant mieux. Alors, ici. Ouais non là il y a deux chemins, ils se rejoignent ici donc c'est là où ils se rejoignent qu'on va. On va former nos défenses. Là pareil, on peut peut-être faire une enclave comme ceci. Enfin, grâce à cette tuile là. En espérant qu'elle tire bien par au-dessus. Là, pareil, les zombies vont faire l'arme potentiellement ici, mais là, par exemple. Particulièrement en faisant le tour, il n'y en aura pas forcément. Il y en aura là. Peut-être un petit peu dans cette case-ci, mais pas beaucoup. J'espère pas beaucoup. J'ai totalement oublié ce chemin-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, ou alors un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Faut peut-être défendre là. Oh. Voilà. Avec tout ça. Je sais pas si je mets des pieux. J'allais dire, je sais pas où je les mets, mais je sais très bien où je les mettrais. Devant toutes les barrières. On va surtout mettre d'abord des soldats. Voir combien ça va nous coûter, parce que. Comment ça? Non, toi non. Voilà, une double rangée, parfait. Voilà. Ça, je pense qu'on a notre défense un peu minimale.
Parce que les guêpes, c'est bien, mais ça. C'est pas mobile une fois qu'on a. Une fois qu'on les a posés. C'est pas du tout mobile. Voilà, je suis retombé à zéro ici, vu que c'est la seule ressource qui tombe en nombre d'unités pair impair. Enfin non, il y a le sniper, mais voilà. Bon, par rapport à la défense minimale que je voulais, on a quand même un peu plus. Est-ce qu'on a un peu plus de... Genre ici, les deux flux, alors accès aux deux flux. Même si tu viens de là, tu vas faire ça. Et si tu viens d'ici, tu... Je crois que c'est la première fois. On a autant d'unités dans ce mode-ci. Et une ranger pour finir. Et bah c'est parti. La bataille commencera et vous n'aurez plus la possibilité de placer de nouvelles défenses. Voulez-vous vraiment commencer la bataille immédiatement? Oui. Ah non mais non. Ah j'avais pas compris que c'était des... J'avais pas compris que c'était des harpies en fait. Infecté frais, ça veut dire harpie. Bon alors.
Ceci ne sert à rien. Les pieux n'ont pas l'air d'être très très efficaces contre les harpies. Bon, les harpies peuvent sauter les murs, mais du coup, elles passent par là, une à une. Donc on saura que s'il y a un passage où... un endroit où il y a plein de harpies, mais que... Oula! Si j'avais compris que c'était des harpies, j'aurais mis zéro mur. Hein. Même si celui-ci est, je pense, très efficace. Faut que j'arrête de regarder ailleurs, parce qu'après, à chaque fois, il y en a un tas qui... Hop! Voilà. Je regarde ailleurs, je reviens, et il y en a un tas qui réussissent à sauter. J'avais pas mis une guêpe ici, peut-être. Trop loin, du coup. Là, les soldats prennent l'aggro. Ici, personne d'autre ne prenait l'aggro. Peut-être quelque chose du genre. Pareil ici, quoi, les... Oh punaise, ça faisait trop longtemps que j'étais pas revenu. Je sais pas à quel point c'est efficace niveau dégâts les guêpes par rapport au même nombre, enfin au même coût en soldier, mais celle que je venais de montrer, justement celle-ci et celle d'à côté ont bien pu DPS tout le long. Hein. Voilà. Félicitations, vous avez détruit la horde et pouvez maintenant continuer l'expansion de l'Empire sur de nouvelles routes. Bon, bah voilà, c'était pas très compliqué. Et du coup... faudra peut-être regarder quand je clique dessus dans les épisodes précédents, mais ça donne 200 points d'empire, mais par défaut, quoi, au global tout le temps. J'ai pensé à 500 pendant toute la partie, mais les 200 points d'empire, ça fait 10 soldats. Ça fait 10 soldats, ça fait 5 guêpes.
Ça fait 20 Rangers. Ça fait un peu moins de 10 snipers. Ça fait pas mal de choses en fait. Et en plus, vu qu'elle est notée blindée, je suppose. Mais là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de horde. Mais je suppose qu'elle fait. Qu'elle a plus de résistance, plus de PV et peut-être plus de dégâts. En tout cas, les dégâts, on n'a pas pu voir. Sur cet essai-ci. Du coup, c'était peut-être pas non plus nécessaire juste pour cette horde-là, mais bon, ça le sera plus tard, donc pas de soucis. J'espère que cette mission de horde, même si ce n'est qu'une mission de horde, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!